Rejoignez les habitants du bazar. Là, la question déjà... Où sont les habitants du bazar? Parce que j'ai l'impression qu'on y est un peu. C'est ça. Où est la quête principale? Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent qu'on fasse peut-être déjà une ou deux secondaires avant? Ah, bah vas-y, on va tenter de leur parler. Voyons, là, il y a un monsieur journal. Dans le journal... Passez du temps au bazar en attendant que Akon vous contacte. Ouais, donc c'est ça. En fait, je pense qu'il va falloir parler un peu avec les habitants. Là. Et potentiellement faire des quêtes secondaires au moins au début. On va essayer de voir ça. Allez. Vas-y, on lui parle à lui. Est-ce que ça t'a lancé un truc, là, je l'ai fait? Ouais, ça vient de me lancer. Ok. Hein? Écoute-moi, pèlerin. Toi et moi, on peut faire fortune. Tu dois juste me procurer des betteraves, des radis, des panais. Le voilà! Attrape-le, Ed. C'est un assassin. Quoi? Julian, Luc a été empoisonné. Et Bébine dit que c'est à cause de l'eau que tu lui as vendue. Quoi? Mais je vends pas d'eau. Menteur. Luc m'a dit que c'est toi qui la lui a procurée. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais il arrête pas de se plaindre et de divaguer. Il s'est pas mis à m'accuser après qu'il ait commencé à se plaindre. Est-ce que tu vois le choix que j'ai ou pas? Je vois peut-être qu'il est un peu trop suspicieux ou t'as des preuves. Ok. On met quoi du coup? Ah, je crois que tu te balades. Je vois ta souris parce que là, je vois t'as des preuves. Ouais. Peut-être qu'il est un peu trop suspicieux. Bah, moi, j'irais, t'as des preuves. Vas-y. Ça me l'a confirmé aussi. T'as des preuves? Ok. Bien sûr. L'eau était dans une bouteille. Luc a bu l'eau d'une de tes bouteilles. Quand je l'aurais dit à Karl, tu seras pendu. Bébine, attends, je te jure. Mais bordel, je bois pas d'eau. Si tu mens, Julian, tu vas prendre cher. Ok. Bon, on venait pour vous aider du coup, mais on va peut-être y aller. Hein. Bah, il a des problèmes, ce monsieur, mais j'ai l'impression qu'il est de bonne foi et qu'il vend pas d'eau. Regarde derrière lui, ça serait pas des bidons d'eau quand même. De toute façon, ça. Ça serait quand même pas des bidons d'eau. Attends, mais du coup, on peut encore lui parler. Alors, est-ce qu'il faut re-lui parler? Vas-y, essaye. Dans ce cas, si tu vends pas d'eau, comment quelqu'un a pu se procurer une de tes bouteilles? Connaissant ce connard de Luc, il l'a probablement volé. C'est typique de lui. Quand bien même, mon eau est aussi pure que des flocons de neige fondue. Bah, ça veut dire que tu vends de l'eau, quoi. Bah ouais. C'est peut-être un acte de vengeance. Tu l'as peut-être mal conservé. T'en es sûr? Comment tu la stockes? J'achète en bouteille. Et elle aurait pas pu être contaminée? Impossible. Mon fournisseur Marco a toujours de l'eau propre. Bon, de toute façon, on fait les deux, quoi. C'est peut-être un acte de vengeance. Se venger de quoi? Tout le monde m'apprécie et je n'ai pas le moindre ennemi. Attends un peu. Merde. Sauf peut-être... Marco. Mais c'est marrant que tu le dis. Bah, il y a deux secondes, Marco, il était cool, hein. Maintenant que j'y pense, il a une dent contre moi. Ça remonte à longtemps. Mais ça n'a pas d'importance. Écoute, il habite au-dessus d'un ancien restaurant jamaïcain, à l'ouest de Ville d'Or, sur Hounfield Lane. Je lui ai échangé quelques kilos de ma meilleure farine contre de l'eau. Si tu prouves qu'il l'a empoisonné, je te donne la moitié de ma farine. Qu'est-ce que t'en penses? Ça coûte rien d'aller vérifier. Ah, et une dernière chose. Ça me gêne un peu. Hans a peut-être aussi une de ces bouteilles. Je pensais que tu les vendais pas. Oui, oh bah c'est tiens. Vrai. Sauf à Hans et... Tu veux bien le prévenir? Il se trouve également sur Hounfield, un peu plus bas. Non mais... Il y a quelque chose de louche dans tout ça, Julian. T'as intérêt à dire la vérité, sinon ça va être difficile de t'aider. Moi j'ai même pas envie de l'aider en fait, le mec, tu vois, bah oui, qui... il te vend totalement en fait. C'est bon, moi ça me dégoûte, je pensais que c'était un monsieur très... Ouais, non, il ment. Ah, maintenez T pour suivre. Ok, donc là on peut suivre la quête. Donc soit on prend d'autres secondaires en se disant qu'il y en aura peut-être sur la route aussi, ouais. Pour en faire plusieurs. Soit on en fait une après l'autre pour suivre le fil ou quoi, c'est comme tu veux. Bon, on peut faire une après l'autre hein, si tu veux. Ouais, ça évitera peut-être qu'il y ait trop de dialogue d'un coup aussi, éventuellement. C'est ça. Ça peut être mieux. Bah vas-y, alors du coup, c'est où c'est là? Let's go. Alors, est-ce qu'on est de nuit ou pas? Oh bah. Non, pas l'impression. Hein. Non, c'est bon. Allez. Oh! Ah, ça fait du bien là. Ok. Bon, on a du coup deux objectifs hein, de ce qu'il vient de nous dire. Ouais. Donc on va y aller sans. Ouais, le plus proche c'est le 2. Écoute, on y va hein. Yep. On va voir ce que ça va donner. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il nous ment ouvertement ce mec, mais bon. Je pensais de bonne foi et tu vois, finalement. Déjà dès le début, t'es en mode non, mais il y a un souci. Et genre derrière, il dit bon, par contre, si tu pouvais aller prévenir aussi un tel et un tel. Toutes les personnes à qui, éventuellement, j'aurais peut-être pu en vendre, ou du moins, j'aurais pu avoir mon eau, quoi. Ah, mince. Ah, je l'ai eu. GG. Attends.
Ah non, j'ai cru, tu vois, qu'il y avait des petites denrées, des petits trucs, là. Oui, c'est vrai que ça m'aurait pas étonné non plus. Bah attends, tu vois, ça me dit découverte, cavité sombre, découvrez des... Ah, il y a forcément un truc, t'as vu ça quand enfin, bah, genre ici, quand j'ai marché ici. Mais je pense que c'était là-dedans, cavité sombre. Attends, ouais, je pense, mais cavité sombre, généralement... C'était pas de nuit? Non, je sais plus. Attends, on va aller voir, hein. On descend? Ouais. On va explorer un petit peu. J'ai peur de me faire mal. Je sais jamais comment descendre quand je suis pendu, là. Ça doit être ça. C'est... Ouais, la touche pour s'accroupir, c'était ça. Attends, parce que je pense que je suis du mauvais côté du mur. Bah, de toute façon, attends. Ah, convoi militaire, moi. Récupérer des armes, de l'équipement et des accessoires, mais c'est trop bien. Oh, c'est super, ça. Horse. Oui, attends. Je sais pas si tu vois là où je... Ah non. Ah, oh, ça va? Bah derrière toi, fais gaffe parce que... Oui, mais justement, je les balance dessus. Je les balance sur les pics et sur le feu, là, regarde. Ah, j'en regarde, pas. Ça marche trop bien. Oh, c'est magnifique. T'as vu? Mais t'as vu c'est le, trop bien, le... ce jeu pour ça. Le... Viens voir. Oui, pardon, donc toi, tu es B. Tu es là-bas, en haut. Mais attends, mais... Parce viens, que... Viens, viens. Oh, attends, mais lui. Bonjour. Il y en a un, il est un plus gros que la moyenne, hein. Ah, genre là où je suis? Genre, je sais pas, mais là en face avec le marteau. Ah oui, ah oui, ah oui, mais attends, il y a du monde de ce côté-là. Ouais, c'est pour ça, toi tu les balançais tranquille. Ah oui, mais attends, mais le truc militaire c'est 100% ici, non? Qu'on voit militaire. Bah oui, il y a écrit, regarde 21 mètres, mais moi j'y vais pas. Hein. Ça a l'air intéressant, il y a des armes et tout. Est-ce que on jouerait pas le beau jeu pour notre premier épisode de coop? Mais on peut, hein. Alors, moi ce que je te propose. C'est de mourir avec j'ai, toi, si tu veux. J'ai des pièces. Je peux sûrement les aggro quelque part. Et on loot en discrétion. je ne crois absolument pas en la possibilité que ça fonctionne, mais... Ça ne marchera absolument pas. On peut, par contre, monter sur le convoi militaire. Regarde, regarde, là. Comment regarde-moi on envoie ça. Les pièces, d'ailleurs. C'est quoi la touche pour lancer les pièces? Je ne sais pas. Comment ça, je l'envoie. Quand tu laisses appuyer sur 1, tu sais, t'as la pièce, mais comment tu l'envoies? Pas comme ça. Hop là. Hé, regarde, je les ai attirés. Alors dis-moi, c'est quoi ton idée qui est forcément meilleure que la mienne? Ah bah regarde, tu vas voir, c'est fou. Ah non, elle est pas meilleure que la tienne, hein. Attention. À c'est partir quoi, de là. Bah là, tu vois, c'est un peu rapproché du convoi. C'est pas mal. Donc là, tu balances une pièce à gauche, on saute sur le premier char alors, militaire. Attends, enfin, le premier comment char... on balance une pièce? Oh bah écoute, on n'a pas toutes les notions. Hein. Peut-être clic droit? Non. Clic gauche? Non. Sinon tu cours au milieu? Tu es aggro un ouais, peu plus loin? Tu veux que je le tente? Attends, tu vas... Regarde, regarde, regarde. Ils me verront pas. Ils ont l'air trop teubés. Regarde, regarde, oh, je monte. Oh le suricate! Eh, hey, y'a personne qui me voit. Ils sont... Attends. Attends, mais y'a rien, Horse. Y'a rien du tout. Comment ça, y'a rien du tout? Mais y'a rien, le point vient de disparaître. En fait, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu de largage encore. Non, non, mais il y a un convoi à looter, je pense qu'il faut ouvrir les trucs derrière. Attends, si on ouvrir ouvre, quoi si on... Non, mais, ah, genre la benne à l'arrière, là, le truc? Je sais pas, il y a des trucs à looter. Attends, genre là, le tank, j'ai l'impression qu'on peut... Ouais, regarde, la benne à l'arrière, il y a du violet et tout. Si, on peut looter, hein, 100%. Oh non, mais ça si, il y a du gros loot, il y a du gros loot. Attends, t'inquiète, on va faire un truc de ouf. Ça va être incroyable. Ouais. Tu me fais peur, hein. Tu le sais, ça. Tu veux que je vienne de ton côté? Je sais pas trop, attention, parce que l'autre avec la combi, là aussi, je me demande s'il va pas nous... Mais lui, il a une bonbonne, il te suit, hein. Il a une bonbonne, lui, ça va te péter la tête. Si t'as un truc pour lui tirer dessus sur la bonbonne, je pense que c'est parfait, hein. Ah bah ouais, mais là, j'ai rien, hein. Il revient vers bon, moi. Est-ce que y a un groupe qui m'a suivi ou pas du tout, ouais. Si, ça t'a suivi. Un peu, crochetage mais ouais. Difficile, Ors, je suis en train de crocheter... Ah non, mais non. Ah, c'est un crochetage en plus, mais ça va être chaud. Non, mais crochetage difficile, hein. Déjà, j'ai pas de crochet, moi, attends. Moi j'en ai, mais. Je vais faire des crochets, je pense. Vas-y, je fais des crochets. Attends, faut que je me batte, moi. Vas-y, bats-toi. Oh! Non, mais attends, il y a le mec avec sa bombe. Tu sais quoi? Ça, c'est suicide, hein, ce qu'on. Là, on devrait lancer. Attends, je dois peut-être avoir des molos ou des trucs à fabriquer. Ah, mais ouais, j'avoue. On peut crafter des couteaux de jet. Ah, bah parfait, tire dans la bonbonne avec ça. Tu crois? Mais 200%, oui. Ok, bah je vais monter. T'as vu ça, toi? Bah j'ai un plan, couteau de jet. Ouais. Mais comment ça s'utilise par contre après? Interromps les attaques ennemies. Appuyez sur clic molette pour le lancer. Attends, mais ça tu l'as mauvais, vu ça. Hein. Ah oui, ça vient d'apparaître à mon écran. Ah oui, ok, tu es direct sur toi. Vas-y, je vais essayer.
Il est où le mec avec la bonbonne? Oh mince. Bah là, juste en dessous de moi, il y en a un. J'ai la pièce dans la main. Comment t'as fait? Clic molette. Ah, mais moi aussi, j'ai envoyé une pièce, du coup. Bon, bah merci, on a la touche. Ah ouais, regarde, ça marche. Mais ça marche pas. Il y en a trois qui viennent. Je voudrais juste tirer dans sa bonbonne avec le... Mais Horst, t'es au courant que si ça pète, là, ça va te péter dessus? Bah oui, mais prends l'aggro et comme ça je pourrais voir la bonbonne parce que là la bonbonne je la vois pas, il me regarde. Bah prends l'aggro, c'est facile ça tout de suite hein. Bah sinon tire sur sa bonbonne quand il me regarde. Viens là toi. Voilà. Ah là c'est bien ce que tu fais, super, super. Et bien là. Oh. Quoi? Vas-y parce que moi j'ai peur hein. Attends, mais je l'ai envoyé mais mon truc il reste dessus, je sais pas trop pourquoi. Oh, what? Attends. N'a pas du tout marché, c'est... Ouais, pour moi. C'est vraiment... Ors, fais très attention. Je crois que ça va exploser, là. Quoi? C'est toi qui as fait ça? Non. Ah bah, ils sont en feu, hein. Bah, c'est ah peut-être non, quand ils est sont mort. Pas en feu. Oh là là, là, ça vient de péter. Mais, le, tu sais, je me dis, ça a dû alerter le gros monsieur, ça. Hein. Non, non. Quoi? Attends, mais c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il m'a volé. J'ai plus d'endu. Bon, allez, non, venez! On veut le buter, hein. T'es mort? Il a rien. De quoi? Ah j'ai cliqué tes mains. Ok, j'ai plus de. Les attaques puissantes ne peuvent pas être bloquées. Comment on fait une attaque puissante? On va peut-être les débloquer après. Ou on maintient le clic gauche, peut-être. Ouais, j'ai essayé, mais je sais pas si. Oh, ça court vite. Et y'en a, ils courent Il y en a un qui est un peu plus grand qui arrive là, je crois. Ah ouais? Attends, j'ai vu cette épée. Moi, j'en ai vu un qui te court très vite dessus, il m'a fait peur. Attends, j'ai vu le gros derrière, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petites dessins quand même. Hein. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais pas eu d'explosion, alors j'en avais eu une aussi. Oui, moi j'ai pas eu d'explosion et je l'ai eu genre 5 secondes après. Ouais, je pense qu'il y a des petites dessins quand même, mais bon. Écoute, le jeu n'est pas encore sorti techniquement, donc ça peut venir de là aussi. Oui, ça peut venir de là, effectivement. C'est gentil ou méchant? C'est qui ce monsieur? Bonjour. Monsieur, mais vous. Okay. Pourquoi il me court dessus? Mais. Il me fait peur. Voilà. Fais attention, il doit y avoir le gros monsieur quelque part. Il a pas bougé pour le moment, ça m'inquiète. Hein. Oui, bah, si on s'il me vire bouge. Dessus. Ah bah tant mieux, cours. Va-t'en. Oh, il est lent, hein. Qu'est-ce qu'il est lent. Ouais, mais le moment où il va taper, parce que ceux-là aussi, je crois que c'est eux qui pouvaient non ramasser des cailloux ou des trucs comme ça. Ramasser des cailloux? Comment? Ah, tu veux dire ouais, cailloux ou rocher? Parce que c'est deux nuances, hein. Oui, oui, rocher, voiture et tout ça. Mais attends, mais il nous aide le monsieur là, non? Je sais pas trop. Oh mon arme, elle s'est pétée! Oui, bah ça, c'est des choses qui arrivent. Ors? Oui, il y a une Jura sur les armes. Mais j'ai pas été futile parce que je crois que j'ai tout vendu, moi, mes armes. Ah bah ça, c'est. Oui, pas très malin. Ah non, ça va, j'en ai encore une. Beaucoup plus rapide cette arme d'ailleurs, plus agréable limite. Une sorte de hachoir là. Il est là le gros monsieur? Bah, à moins que tu l'aies tué, il doit être là. Hein. Ah non, non, moi je l'ai pas tué. Hein. Ah, il fait beaucoup de bruit quand il se déplace, mais ça a vibre okay. Le sol, j'ai peur. Oh, il a là. Vas-y, crochette, c'est tranquille, t'inquiète, je te tiens au jus. Attends, je vais crocheter celui-là déjà. Crocheter quoi? J'ai une lance de jet. Une lance de jet là. Vas-y, prends-la. Hein. Ah, c'est stylé. Ah ouais, moi aussi. Je viens de la prendre. Ah oui, oh Ors, comment t'as lancé? Clic gauche. Vas-y, envoie sur le gros. En vrai, on peut se le faire, je pense. Faut juste que j'aille récupérer ma lance sur les autres mobs. Je perds un saut, Ors. Je le sens. Tu vas voir. Je vais sauter dessus et le tabasser. Incroyable. Ouais, je le démonte. C'est quoi la touche juste? Il va me démonter. Pour récupérer son... Ok, c'est bon. Tu le récupères par terre et hop, tu lui lances dessus. Voilà, c'est bon. Je l'ai tapé deux fois. J'ai loupé. Oh, il a l'air d'être bien lourd. Ah ouais, moi j'attends. Oh, t'es empoisonné, fais gaffe. Il y a du poison vers l'outé. Ouais, effectivement. Ah, mais c'est un... il y a un monsieur, il a du poison autour de lui. Il y a un monstre. Ah, c'est enfin, un zombie. Non. Ok. C'est quoi le point? Il y a un X là où je suis. J'avoue que les armes équipées, il y en a plus beaucoup. Là.
Mais lui, il faut le buter de loin, lui, parce que... Il balance du poison. Eh ben... Ah, il ne passe plus de trucs de jet, là. Ok, il est bien comme mort, hein. Le gros ? Ouais. Il est mid-life, quoi, ouais. Bah, bientôt, hein, quand même, hein. Ouh ! Fais très attention, hein. Ok. Attention, il y a le poison. Alors, monsieur ? On fait moins le malin d'un coup, hein ? Oh, nice. Oh, il est mort. Faut tuer le poison, hein. Super, ça. Ouh, attends, j'ai eu un petit coup, moi. Ouais, pareil. Tac. Bon, bah voilà. Tu vois, je t'avais dit qu'on pourrait faire ça. Ouais, par contre, c'est quoi ça? On va le mettre trop bien, on va avoir des super armes dès le début. C'est un. Saute là-dessus. C'est un trampoline. Hein? Saute sur le X là, la petite croix. Mais quelle petite croix? Ah, bah moi j'ai un trampoline là, regarde, regarde. Hein? J'ai un trampoline ici. Aïe! Bah, toi il est peut-être un peu plus loin avec la. Ouais, alors là il y a par contre. Des 5. Ouais, il y a quand même. Regarde l'air d'y avoir des... du tank. Enfin, du tank, je sais plus comment ça s'appelle quoi, mais. Ouais, bah écoute, on va fouiller hein. Pourquoi j'arrive pas à le tuer lui? Mais 8 ans il a crevé. Parce qu'il a un peu une armure et je pense qu'il fait un truc contendant du coup, peut-être. Pense? Je sais pas. Ah, ça va là. Ça dépend peut-être qu'on tape aussi hein. Ah bah bien joué. Ok, du coup il y a deux trucs à crocheter logiquement, donc tu prends celui que tu veux, je prends l'autre hein. Ok. Vas-y, si t'avais commencé l'autre. Ouais, je prends celui de droite. Je le sens mal, un crochetage difficile hein, j'aurais pas. Ouais, difficile, on risque de casser quelques trucs hein. Ah ouais. Tu sais que ça bouge même pas d'un pet. Ouais, de toute façon c'est des crochets bien spécifiques hein. Non, normalement non. Ah je l'ai là. Ok, je l'ai. Je t'ai cassé. Ah c'est... Ah mais c'est plus au même endroit du coup. Ah ça c'est chiant. C'est quoi, c'est genre à la frame? Parce qu'il tente même pas de bouger moi la serrure hein. Ouais c'est vraiment quasi à la frame hein. Ouais mais normalement la serrure elle bouge un peu pour te dire que ça marche pas. C'est bon, j'ai ouvert le mien. Si ça bouge pas c'est qu'il faut que tu bouges ton crochet. Tu peux le mettre à droite aussi le crochet. Donc ici j'ai des chaussures. C'est quoi ça? J'ai des matériaux de maintenance. Oh c'est tout. Mais aïe, je me fais démonter. Bah ouais, qu'est-ce que tu fais là? Mais y'a quoi qui a explosé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils courent comme ça? Attends, ils sont un peu vénères hein. Non mais attends, je comprends pas le bail là. Y'a vraiment... Ils sont en train de monter et tout? Non mais attends, moi je sors, je me casse. Non mais c'est en aide des vénères un peu je crois. Oh là là, bah j'écoute, on s'en va. Par non, mais contre, tu ce qui chiant c'est que j'ai pas pu looter. Non mais t'as vu tout ce qu'il y a? Mais il n'a pas de temps que ça, on en a tué 1000 fois plus que ça. Ils sont énervés. Bon, tu feras l'autre crochetage, hein. Moi j'y arrive pas par contre. Ouais, si tu veux. Mais en fait, ton crochet, tu peux le mettre à gauche ou à droite hein, aussi, tu sais. Ouais, ça se trouve, ça tu... veut, j'ai vu. Tu l'as juste pas tenté du bon côté, moi je sais pas. Bah, moi il bouge pas en fait, le. Je sais pas. Ah, ils sont chelous, hein. Hop. Ah, bah, ils sont. Bah, écoute, on est en train de monter notre stade de combat hein, déjà au début, c'est bien. Je vais crocheter à l'autre côté, hein. Vas-y, hein. Je t'en prie. Mais j'avoue qu'ils sont chauds, hein. Bah c'est difficile, hein, ça se ressent. Ah oui. Aïe. C'est bon. Mais t'es un crack. Oh là là, quel crack. Tu sais que moi, attends, ça me tape que... au moins, faut que je récupère en même temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que là, t'as looté, dis-moi, pour chacun voit un truc différent. Je pense. T'as looté quoi? Bah là, j'ai eu à l'instant un brassard et avant, j'avais des chaussures robustes. Ok, moi j'ai une batterie du coup et protection en cuir, ouais, brassard. Alors attends, je vais m'équiper. Pas d'armes. Attends, dehors d'autres trucs à looter là-dedans, non? Genre là, prendre. Ah, ça équipe automatiquement. Je vais regarder après, ouais, aussi ce qu'il y a. Par contre, je sais pas, j'ai pas trouvé ça incroyable. Alors, je m'attendais à vraiment des armes vu que c'est un truc militaire. Ouais. Attends, parce qu'il y a des trucs par terre. Ouais, par contre, fouille, hein. Oh, il y a un marteau ici, de plombier. Si jamais. Oh ! Il y avait un zombie, là, qui était... Ouais, qui était posé, du coup, je l'ai buté.
Bah écoute, pas fou hein, quand même. Hein. Si je puis me permettre. Ah, il y a des trophées, des cigarettes, mais bon. Oui, bah la après, lance, ça forcément... peut être très très cool pour la suite. Ouais, je m'attendais à des armes à feu directement sur un convoi comme ça quand même. Y a pas moyen de réparer son arme directement dans son inventaire. Je me pose la question, tiens. Ah et moi ça va pas équipé hein, par contre automatiquement donc fais gaffe. Ah. Moi ah, si oui. Je regarde mon inventaire là les trucs que j'ai débloqués, le brassard j'ai pu le mettre. En tout cas j'ai une meilleure armure, ça c'est cool du coup. Ça peut-être ça l'a équipé parce que j'avais rien. Alors c'est peut-être parce que j'avais déjà un brassard. Moi ça équipé les baskets effectivement parce que j'avais un mais le brassard sinon ça me l'avait pas changé. Ouais voilà c'est ça je pense. Ok. T'as bien fait de me le dire. Merci. Tout à fait, tout à fait. Ok, bon bah allons du coup à la quête maintenant, je oui, pense. C'est vrai, comme ça, on avait une quête. On y retourne. Bon, c'est bien, on teste un peu quand même les zones au moins. Ouais. Tu vois clairement. Que c'est faisable et ça nous fait monter un peu encore une fois les stats, donc c'est cool. Par contre, je sais pas si c'était bien ça, la zone sombre, hein, le truc et en question. Et je pense pas que ce soit pour autant la zone sombre, mais bon. Peut-être pas trop s'arrêter non plus. Ouais. Ah, là, il y a caisse, si tu veux. Il y a des... Ouais. Comment on rentre, là? Genre, ah non, par là, c'est genre par là. Genre par ah, la porte. Non, mais j'ai peut-être voulu un peu forcer, c'est vrai. Ok. Ok. Là aussi. Ah, je l'avais pas vu, celui-ci, tu vois. De la résine. Ok, le ah, point 2, du coup, est là-bas. Il y a une tiro, je vois au loin, on va peut-être pouvoir prendre la tiro. Ah ouais? Ouais, regarde là. Je tente! Je suis. Oh, c'est bon. J'ai fait ce passe quand même. Ah, on a vraiment des D5 à ce point là, donc ça va être compliqué alors. T'as pas de tiro? J'ai pas du tout de tyrolienne ici. What? C'est, par contre, c'est bizarre parce que là, c'est carrément le monde qui n'est pas le même hein, pour nous deux. Donc là, au niveau D5. Et là, j'ai une question. T'as quelque chose ici, un pont? Oui. Oh, ça m'a fait peur là, j'ai cru que t'avais pas le pont. Non, non, ça oui, mais je pense. Bah alors, ça veut dire que les tyroliennes ont des spawns aléatoires alors, et que du coup, ça viendrait de là les D5, parce que si c'est des spawns habituels et qu'il y a quand même une D5, je ne comprends pas. Hein. Ah, mais par contre, c'est eux. Oh, purée de patate. Oh, j'ai failli me tuer. Oui, par contre, c'est très bizarre, je suis d'accord avec toi. Pourquoi est-ce qu'on aurait pas les mêmes points? Bon, après, tant que le fond ça change pas pour le jouer, c'est bon. Donc, on a la même histoire. Ouais. Je sais pas si ça me tapait, genre si tu vas au point, ça serait incroyable. Oh, stylé, viens. Oh, attends, par est-ce contre, que tu vois ça? Je l'ai vu au loin. Attends, genre, viens. La planche sur laquelle t'étais, elle s'est mise à bouger. Oui, justement, je vais voir si la physique, du coup, à deux, elle est cool ou pas. Ouais, ça bouge. Alors, reste de ton côté. Vas-y, attends. Ah, ça va, ça c'est bien fait, par contre. Ah, c'est cool. Allez, go. Ça c'est stylé, j'aime bien par contre. Ah ouais, ce genre de choses avec l'environnement. Et tu vois, il y aurait une D5 quelque part, je l'aurais bien vu ici quoi. Par contre. Mmh. Ah, par contre, il y a un truc pour sauter en face, mais. Ouais, mais c'est pas de là. Oh bah, are you okay? Aïe! Bah ouais, c'était... Non, c'était en dessous qu'il fallait. Oh là là. Je voulais juste essayer d'aller là parce que j'ai vu la croix moi. Oh! Mais attends, c'est qui lui? Il balance des. Ah, j'ai entendu un mec qui a dit viens un prendre ta dérouillée aussi, mais attends. Ouais, il balance des shurikens, je sais pas trop ce qu'il balance. Attends, y'a un autre derrière, c'est un méchant. Oh, le mec il a pas le temps de se relever. Allez, reste par terre. Il doit avoir il des trucs intéressants. Ouais, non, c'est bon. Ok. De la monnaie quoi, et de la ferraille. Donc là, c'est par où? C'est le bâtiment dans là par lequel tu es monté? Ok. En fait, c'est celui où je me suis un peu ramassé. Bah, voilà. Ah, t'as pu monter direct? Bien, nice. Ouais. Bon, je t'attends. Il parle encore de le choper par contre. Ouais, attends, bon, je vais juste refaire vite fait. Hop, on va refaire des médicaments. Vas-y, j'en profite pour le faire aussi. Je vais pas faire le max parce que on sait jamais si j'ai le besoin de ces matériaux pour autre chose. Ouais, moi j'en ai fait 3, deux. Là. Allez, frapper. Du coup, là, on est chez qui par contre? C'est lequel? C'est le fournisseur ou. C'est Marco, non? Non, c'est pas le fournisseur, lui, du coup. Ah, crochetage. Vas-y, crochette. Vas-y. Attends, j'essaye. Je l'espère. Ouais. C'est un facile, celui-là, tu vas y arriver. Mais je comprends pas. En fait, tu vois mon crochet, tu peux le bouger de gauche à droite. Oui. Et d'habitude, quand je faisais ça,
Et ben, je voyais quand après je faisais A pour faire tourner la serrure, oui. Ça bougeait un petit peu. Là, ça bouge pas, c'est fixe, c'est figé. Mais alors peut-être que t'as vraiment une D5 dessus. Parce que sinon, oui, ça bouge un petit peu, c'est ça qui dit si oui, ça va ça, casser voilà. Ou non. Oui, c'est ça, voilà. Et ben là, c'est complètement figé à l'image. Ah ok, bon, il y a vraiment peut-être... plus de D5 là. Ouais, il y a peut-être une D5, donc vas-y, je te laisse. Aïe, ouais. Mais... ouais, bah sûrement. Bah, espérons qu'à la sortie, du coup, il règle les soucis. Il y a un mec là-haut, bon. Là, à deux doigts de l'emporter. Hein. C'est ah, open, hein, si jamais. Ah, super. Tu sais qu'on peut refermer les portes, j'ai vu ça. Ouais, bon, celle-là, sûr. En l'occurrence, non, mais... rien à looter. Ok, faut que tous les joueurs soient présents. Ok, je suis là. C'est quoi ce bordel? Oh, arrête! Bois pas cette eau! Oh, de l'eau! Ah non, ça c'est pas de l'eau. Oh, ce crétin a encore dû se tromper de bouteille. Il est capable d'oublier sa propre tête. Comment ça, se tromper de bouteille? Il prend toujours un peu de gnôle avec lui quand il va chasser. Mais l'alcool est ici. Ce qui veut dire que c'est lui qui est l'eau. Où il est? Et qu'est-ce que vous manigancez? L'eau que Julian lui a donnée. Elle pourrait être contaminée. Il chasse à la tour militaire à quelques centaines de mètres à l'ouest d'ici. À moins qu'il ne soit au terrain de sport. Je vais aller à la tour. Toi, va voir les terrains, et vite. Attends, attends. Prends l'alcool avec toi, au cas où il ait déjà bu de l'eau. Ce qu'il y a dans cette bouteille peut sûrement éliminer ce qu'il y a dans l'autre. J'allais dire, on est deux, c'est nickel, on va pouvoir se séparer, mais en fait, c'est bon, c'est elle qui va aller ailleurs. Ouais, c'est parfait. Ok, du coup, trouver Hans, tac, 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 il a combien? Ça, c'est à 130 mètres. Ça, c'est à 115, bah, on va finir du coup avec lui, on va aller au petit 2, direct. Ouais. Est-ce qu'on peut remonter de là ou pas? Oh, je pense. Yes. Ok. Ça va, c'est pas là. Très loin. Moulin à vent, débloquer des structures de faction. Pas trop vu. Je suis complètement raté, je voulais monter. J'allais dire c'est ok pour toi, mais... Attends, mais il y a une structure de... Comment ça se de faction à côté de moi. T'as déjà pris goût, ah ouais. J'ai été à gauche ouais. À droite. Tu sais, les meilleures fêtes ont lieu dans le centre. À ta droite. Tu sais que ça me propose un voyage attends, rapide. Attends, il y a un discours. Je te dirai tout sur place. Rejoins-moi sur le toit, près de la station de métro principale. T'avais pas le dialogue avec Akon? Si, si. Ah ok. J'ai vite de parler moi pendant les dialogues du coup. Ah oui, non mais oui, mais j'ai pas du tout calé que le mec était en train de parler en fait de... T'inquiète, t'inquiète. Ouais non du coup ici il y a un truc à activer apparemment au niveau du moulin et c'est un truc de faction ils disent. Ok. J'aimerais voir comment ça marche tant qu'on est ici. Attends si on fait A déjà. Moulin avant inactif. Ah ce serait là-haut. Ok je pense qu'il faut monter là-haut. Oh c'est des jumps. Oh trop bien. C'est du parcours je pense pour arriver en haut de la zone. Tu vois là il y a des trucs qui descendent. Ouf. Aïe. Ok je sens que ça va être chaud. Ok je pense que c'est du parcours pour activer les trucs. C'est-à-dire, genre là, il va falloir sauter sur les trucs et tout. Wow. Ouais, et là, tu vois, quand l'autre descend, je pense qu'il va falloir que je saute dessus. Il va y avoir un timing. Ah, mais je vais plus avoir de stamina, en fait, surtout. Ouais, c'est... Attends, mais le timing, il va être chaud, du coup, à cause de la stam. Ah, mais je pense qu'il y a des trucs qu'on pourra pas faire, parce qu'on n'aura pas augmenté nos points de stam. Ouais, peut-être que... Ah, ou alors, j'aurais dû le faire direct. Hop, hop. Vas-y, vas-y. Oh, mais les poubelles. Mais ok, c'est je pense chaud que. De ouf. Ouais, je pense que c'est chaud parce que je sais pas si j'aurais assez d'endurance pour être assez haut pour le prendre. Mais du coup, c'est non, un, moi, c'est je un suis système pas comme ça, je pense. Attends, et du coup, niveau compétences, on a pas débloqué. Non, on a rien débloqué pour l'instant. On ah, est loin moment, ou pas Ah, je suis pas très loin en plus, hein, niveau XP de. Ah, mais non, mais c'est pas ça qui augmente ça, c'est vrai. Ah, ouais, puis là, dès que t'as pas le bon timing, en plus, ça sert à rien. Oui non c'est vrai que c'est pas le c'est pas les stats qui augmentent ça c'est les incubateurs là je peux les inhibiteurs pardon. Non mais en fait c'est chaud parce qu'il faut avoir déjà le bon timing de base c'est trop compliqué. C'est pas évident hein. Ça doit être un coup sur deux j'imagine. Bah là il était bon en fait ok. Attends
Je vais retenter une fois et... Oh, vas-y, hein. Parce qu'après, une fois que je suis là-haut, je sais pas s'il y a un autre saut difficile ou pas, mais là, j'étais pas si loin. Ah ouais, j'aurais dû y aller là, mince. Je peux regarder comme un idiot. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. T'es la meilleure. Ah, et là, je vais tomber. Ah non, t'es pas loin. J'avais plus de stam. J'avais plus de stam. Vas-y, vas-y, je te regarde. Mais ouais, c'est trop chaud. Je pense qu'on n'a pas la stam nécessaire. Il manque de... Ouais, ouais. Il manque de la stam. Oh, alors attends. Soit t'améliores la stat, soit tu... Ah, mais on n'a pas de... Il y a des injecteurs aussi, genre d'adrénaline ou ce genre de choses, donc on doit pouvoir avoir plus de stam juste pour une durée limitée, et je pense que ça suffit aussi. Mais bon, c'est pas grave. On a vu ce que c'était, on verra plus tard à quoi ça sert quand on pourra. Là où il y a du loot déjà. Ouais, ici il y a des loot. T'entends les alarmes qui retentissent? Oui, j'entends, oui. Ah, mais c'est parce que la nuit elle va tomber. C'est exactement ça, ouais. Impec, allez viens, on va faire la quête. c'est pas trop stylé par contre. C'était beaucoup trop stylé, je suis d'accord. Heureusement que tu m'avais dit que c'était une alarme, hein. Au début je croyais que c'était une meute de loup, moi. Ouais, moi aussi, pendant 2 secondes je me suis dit ça se trouve c'est un loup et tout. Après je me suis dit non, c'est un peu trop là. Le mec il a rien compris, tu sais. Beaucoup de loups quand même dans cette ville, hein, vraiment. Franchement... Ils vivent bien, hein. Ils sont pas mal, hein. Ok, B pour utiliser vos jumelles, mais alors attends, c'est sur ça peut-être qu'il fallait le faire. Non, celui-là il était déjà bon. T'es pas. Sur quoi qu'il faut utiliser? Hans? Ah, faut peut-être chercher Hans? On l'entend. Non, je pense que c'était pour cette zone, mais là on dirait que c'est bon là où je suis, mais je suis pas assez bien. Oui, moi c'est pareil, ça fait un truc trop chelou. Mais moi ça commence à se refermer. Ouais, ouais, mais je pense que c'est derrière les arbres ou quoi. Ok. Bon, il fait bien nuit, donc vas-y, t'as raison, on va faire la quête plutôt. Ah, il est là. Oh non! Quoi? Je me suis raté, je me suis fait très mal. Ah oui, je vois ta vie. J'arrive. Attends, je me heal un coup quand même. T'entends la musique? Ouais, la nuit est tombée, votre immunité... Ah, l'immunité, mince! Ah oui, mais si, c'est gênant du coup. Notre immunité, on va pas pouvoir tenir très longtemps durant la nuit. Bah, faudra qu'on reste près de l'ampe UV et tout là, je crois, c'est un bal comme ça. Ouais, sûrement, ouais, bien sûr. La panique. On va parler à lui. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'as bu de cette eau? Bordel, ouais. Elle avait un goût de chiotte. Lui donner l'alcool. Ouais. Tiens. C'est ton alcool. Prends-le. Ta femme a dit que... Allez, bois! Des conneries. Quoi? Ma femme a dit ça. Ma Anna. Oui. Elle pense que l'alcool est assez fort pour éliminer le poison de ton système. Ha, ma femme. Elle m'aime donc encore, malgré ses plaintes. Et ils disent que le romantisme est mort. Santé pour cette journée. Et probablement pour m'avoir sauvé la vie. Besoin d'aide pour rentrer? Non, c'est la nuit, tout va bien. Mais oui, tu vois la nuit qui tombe derrière le mec en plus. Encore du pain sur la planche. Parce qu'on n'est pas du tout sûr que ça va le guérir en fait, donc il prend un peu des risques, hein. Ok, ça c'est fait. Du coup, est-ce que on va quand même chercher Marco parce qu'on est pas très loin? Allez, on est joueur. Allez, hein. On y va. Je fais les questions-réponses. Oh, t'es tombé? Non, t'inquiète. C'est sûrement un D5. T'as qui à time, ok. Bonjour. Ouais. Oh, bonjour. Allez-y, mangez, hein. Oui, vous dérangez pas pour nous. Notre limite descend vite en plus, hein, quand même. Vas-y, Tiro. Pas de Tiro. Oh non. En fait, j'ai aucune Tiro sur la map en plus, j'ai l'impression. Oui, il y a toi, t'as jamais de Tyrolienne, toi, en fait. Fais gaffe aux hurleurs, hein, vraiment, c'est pas le moment. Ah, les hurleurs, c'est le pire bail, ça va attirer tout le monde et tout, faut faire très attention. C'est fini que je dis ça, là, viens. C'est moi qui le lance. Je pense qu'il est là-dedans. Ah bah, on doit le voir. Bah, le point était en dessous, je pense que... Ah oui, t'es rentré là, ok. Ouais. Ouais, bien vu. Ok, let's go. Oh, j'ai un petit doute sur un petit quelque chose. C'est moi qui ai ouvert la porte, hein. Quelle porte? La porte par laquelle t'es passé. Ah. C'était une porte ou une fenêtre? C'était une porte après, je crois. Attends, mais il est où, là? C'est là? C'est pas lui? Ah oui, ok. Mais je sais pas, je voyais plus. Ok, avec le truc UV, en fait, oui, si, ça a l'air bon, là.
Si, on est tranquille quand on a de l'UV. Il manquait pas que ça. Entre les voleurs et les infectés, je vais finir sur la paille. Tu vends de l'eau empoisonnée. Je suis là parce qu'un certain Julian dit que tu lui as vendu de l'eau empoisonnée. J'ai rien empoisonné. Pigé ? Julian affirme le contraire. Mais bien sûr. Je vais écouter le type qui m'a vendu de la farine mélangée à du plâtre. Si t'es pas un voleur, comment ça se fait que t'es avec les infectés ? Je dois m'en débarrasser. Sinon, je suis grillé. Peu importe si l'eau est empoisonnée. Ah, ça marche. Je me charge des infectés et tu me dis ce qui s'est passé. D'accord ? D'accord. Ça marche. Enfin, si c'est pas lui qui a empoisonné, il saura pas ce qui s'est passé, techniquement. Ok. Ouais. Allez, du coup. Bah ouais, on va se charger de sécuriser un bâtiment durant la nuit, tout va bien. Attends, tu veux pas lui piquer ses trucs au mec, là ? Là, moi, je vois... un gros truc ici, moi, je pique. Hein. Ouais, vas-y. On sait jamais, y a rien. Hein. Y a rien. Oh, c'est vraiment de l'arnaque. Hein. Bah... Je me sens déçu. Attends, viens dans la salle de bain, y'a des trucs. Ah ouais ? Écoute, je vais arrêter de lancer les calls, moi ça me... à chaque fois qu'elle dit qu'il y a un truc, elle ouvre, y'a rien, genre... Ah là là, surprise ! Bah non. Bon bah écoute, on va y aller. Ok, c'est par où du coup descendre ? Là, le trou. Je pense que c'est ça. Tu crois pas ? Tu crois pas là, que c'est ça ? Okay. Par contre, fais gaffe, l'immunité, là on est chronométré. Oui, mais si on peut revenir là-haut pour que ça redescende pas, en fait, c'est bon. Donc c'est ok. Comment... De toute façon, on va clean, on va sécure tout ça. Ouais, vas-y, tu sécures tout ça. Hein. Ouais, ouais. Mais t'es où, toi ? Tu sécures, je loot. Oui. Bah, oui, franchement, il y a trois mecs. Hop, ça. Ouais. Maintenant, c'est plus joué. Hop là. Hop. Voilà, ça. Il est ici. Si tu feras gaffe, t'as des zombies autour de toi. Quoi ? Bah écoute, ça me paraît propre, tout ça. Allez, c'est bon, c'est clean, on peut remonter. Ramasse les trucs hein, dans les étagères et tout. Ouais. Bon, tu vois, ça fait pas peur, hein, là, par rapport à ce qu'on a fait avant. Il y a du plâtre dans celle-là. Fouillez. Il y a des casiers. Oh, il y a des choses, par contre, là. Oui, derrière, j'ai aussi ouvert un casier hein, pendant que tu te battais, si jamais. Pendant que t'étais en train de combattre. Il y en a. Sécuriser le bâtiment, c'est ici, du coup, la suite. T'as des trucs encore ? Ouais, je fouille ça vite fait. Derrière les caisses, il y a des trucs, là. Ça. Des bouteilles. Attends, je vais ouvrir là parce que je me dis, on a vraiment pas le temps, par contre. Ouais, ah, utiliser une bouteille pour désorienter un ennemi. Bah, je suis là. Ouais, ok. Gamin. Bien, t'es en sécurité. Bon, c'est quoi cette histoire d'eau ? Attends. Donc t'es bel et bien un de ces tarés de pèlerins. Attends, taré ? Maintenant, on est à l'abri. Faut être un putain de criminel. Ou complètement barré pour se laisser embarquer sur des centaines de kilomètres dans un monde envahi de virulents. Barré dans le bon sens du terme, bien sûr. Ok. Et l'eau, alors ? Mon eau est parfaitement normale. Un homme du bazar a été empoisonné. Tu vas être tenu pour responsable s'il meurt. Merde. Bon, d'accord. C'était un accident, d'accord ? Un accident. Des voleurs ? Ils n'arrêtent pas de me voler mon eau. J'en peux plus. Du coup, j'ai décidé de préparer un piège. T'as délibérément empoisonné l'eau pour tuer les voleurs ? Pas vraiment. Enfin, c'était pas mon objectif. Il y a quelque temps, j'ai tué un virulent qui a débarqué ici en rampant. Et l'enfoiré est tombé droit dans la cuve. Tout le merdier était foutu. Et c'est là que j'ai eu une idée. Pourquoi pas donner une bonne leçon à ces enfoirés ? J'ai donc rempli des bouteilles avec l'eau du zombie. Et je les ai laissés à la vue de tous. Elles n'étaient pas censées finir au bazar. Ces bouteilles ont dû finir aux mains de Julian par erreur. Je te donnerai toute ma farine. Et je te filerai même un petit extra. Ne le dis à personne.
ou ce sera ma ruine. Oula, on fait quoi, ça? Je sais pas, on dit quoi? Et Julian? Ouais. Ils vont tenir Julian pour responsable et le pendre. Ah. T'en fais pas pour Julian. Les fouines comme lui trouvent toujours moyen de s'en sortir. Et sinon, ça en fera toujours une de moins dans ce monde. Alors, t'es d'accord? Ah là, il aurait peut-être pas dû dire ça quand même. On leur dit la vérité du coup, c'est ça? Ouais. Après, Julian, il nous a un peu menti aussi au début, hein, donc tu sais, au pire. Bon, écoute, hey, tu sais quoi? Sois sincère et raconte c'est l'histoire bon, aux habitants du bazar. C'était qu'un accident. T'es taré? Personne ne m'achètera plus jamais d'eau après ça. Je vais pas laisser Julian se faire pendre pour quelque chose qu'il a pas fait. Rien à foutre de Julian. Je dois bien sauver ma peau. Tu n'as donc pas l'intention. Il va se battre, hein? Ouais, voilà. Oh bah alors là. Mais on les deux. Oh bah oui, ça c'est pas de peau, ça quand même, hein. Bon alors là. Tiens. Il m'a fait. Alors, ah, il m'a fait mal. Tiens. Je recule. Je me soigne. Je me soigne, fais attention à toi parce qu'il fait mal. Hein. Ah, c'est juste que j'essaie de lui faire un perfect, quoi. Oh, bien joué ça. Bam, coup de pied, tabassage. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Coup de pied, tabassage. Coup de pied. Vas-y, mets des coups de pied, t'en vas pas. Voilà, c'est ah bien là. Ça. Non, mais au bout d'un moment, hein, il vendra plus d'eau. Je crois qu'il vendra plus grand-chose, d'ailleurs. Ok, bon, bah, retourner au bazar. C'est une mission qui se termine plutôt bien. Et en plus, on peut finir de looter ici si on veut. Bon, de l'autre côté, il y a pas mal de zombies. On est la nuit. Je pense que il est temps pour nous de rentrer. Oh, écoute, j'ai envie de te dire oui. Bien évidemment. On va rentrer. On va peut-être avoir des petits soucis d'ailleurs. À la sortie là, non, il va y avoir du monde. On peut pas ouvrir à proximité. On peut pas remonter. On va passer par. Ouais, mais c'était où le. Là. Je pense. Tu m'as vu? Non. T'es où? Bah, je suis déjà passé là où tu regardes. Ah, bah voilà. Mais j'ai du mal à voir le joueur aussi dans le jeu des fois, genre, enfin l'autre. Je sais pas s'il faut s'arrêter là ou s'il faut sauter là-haut. Ah! Comment on monte là? Ah là. Ok. Ça. Sur le truc jaune après, j'imagine? Ouais, je pense. Et hop! Et hop! C'est où je tombe sans dire ça moi! Ok. Eh ben écoute, on va rentrer. Ouais. Ben là-bas, 400 mètres. Oh, oh. Oh là là, ça me fait peur ce que je vois ouais, en face. Ok, c'est bon. Il y a des mecs qui crient en bas, j'ai l'impression qu'ils se font un peu dévorer, mais sinon ça va. Ouais, mais écoute, ça j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas notre problème, hein, finalement. Effectivement, c'est vraiment pas notre problème. C'est au bout d'un moment... Là, il y a quelque chose... Oh, je pense que c'est un mauvais bail, la Tiro, ici, là. Attends, deux secondes. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis tombé en face d'un hurleur, ok? Oh, aïe. T'es où? Oh, merde. Oh non, on va se faire griller, Ors. J'arrive pas à remonter. Oui, mais j'arrive pas à remonter. Monte sur le camion et monte. Bah, il me tapait en fait pendant que j'y allais. Oh là là, tu prends des risques hein. Non mais en fait j'ai tellement de mal avec ce jeu parce que le fait de ne pas pouvoir courir, j'ai pas de notion de jusqu'où je peux sauter. Et du coup je saute pas au bon moment en plus des fois. Ouais. C'est pas... Je sais pas par où passer là. Bah je pense à gauche là en bas ouais. Là. Là? Ah ouais, bien joué. Ouais. Ouais t'inquiète, vraiment le parcours ça me connaît. Vraiment le parcours. C'est toute une histoire. Oh, les cris que j'entends, ça me fait baliser. Hein. C'est quoi le bail là? On peut tracer sur la. Bah, je sais pas si on peut. Vas-y, je te laisse tester la première. Parce que je suis déjà tombé un peu trop de fois. Ah GG. Oh, il y a quelque chose qui essaie de monter sous mes pieds. Mais non, t'inquiète. Il y avait une trappe et il y avait quelque chose qui essayait de s'en sortir. Conteneur d'inhibiteur détecté. Oh, 46 mètres. There is 41 mètres, ok c'est par là. Il est où? Je sais pas mais faut qu'on le trouve. Oh secours. Tiens, secours. Surtout que tu sais qu'il nous reste plus que 2 minutes Ouais je sais mais conteneur d'inhibiteur quoi. Ah bah je n'en doute pas hein. Mais il est où ce conteneur d'inhibiteur? 26, 25. Et moi qui te suis! Oh! Il est à 6 mètres le conteneur! Regarde, c'est juste en dessous, il est à 8 mètres, je le vois! Pourquoi il y a marqué 6 et 8? Mais c'est là-dedans, c'est dans ce bâtiment en dessous de nous.
Franchement, c'est trop rassurant, Hort, là, hein, ce qui se passe. Il y a des trucs derrière moi qui courent. Ils vont nous griller. Moi, j'avoue, t'as raison, on n'a pas beaucoup de temps. Bah ouais, hein, on a... Immunité mais faible. Bon, hein. Écoutez... Ah, mais les inhibiteurs, on aurait pu augmenter notre endurance. C'est sûr. Mais c'est pas tous les trois. Ouais. Ah, cavité sombre et magasin à l'abandon. Ah, moi, je le vois pas, ça, tu vois. Ça vient de m'ouvrir une image à l'écran. Les cavités sombres et les magasins à l'abandon sont deux lieux du monde ouvert qui renferment des objets de valeur. La journée, ils sont envahis d'infectés. Ah, ok, moi, je l'avais pas encore eu. Écoute, je vais passer, du coup. Ah, par contre, si jamais... tu devrais peut-être courir. Ouais. On est encore à 150 mètres. Point de parcours. On est à... Non, 80 mètres, c'est ok. Ah, je me suis pété les jambes, je suis morte. Nice, c'est bien ça. On attend de réanimation. Non, mais c'est mort. Ça va pas nous ralentir. J'arrive. Non, mais je me suis tué de force. Non, j'arrive. Mais je savais pas, je me suis tué de force. J'ai sérieuse ? Ouais. Je suis là. C'est mort. Mais non. Mais je pensais que t'étais très loin, et du coup, avec le temps qui tourne, je pensais que c'était foutu. Bah non, mais tu sais très bien qu'on abandonne jamais un mate ici. Encore moins un binôme. C'est bon, je suis sous une lampe UV, du coup. Non mais, par contre t'es à 75 mètres, hein, c'est loin. Hein. Bah écoute, je pourrais me TP à la limite. Ça va, c'est pas si loin, ouais. Vas-y, viens. C'est bon, moi ça remonte, c'est parfait. Lampe UV et tout. Ah bah du coup, on pourrait presque retourner l'inhibiteur. Ah, ça me dit que j'ai un point que je peux mettre maintenant. Point de compétence. Oui, moi aussi j'ai eu ça. Bah d'ailleurs, je vais regarder maintenant le temps que t'arrives, tiens. De toute façon, on n'a pas le choix, on a que deux trucs possibles. Ouais, on a que deux choix possibles. Donc soit main ferme. Effectuer une ultime escalade, même quand vous êtes à court d'endurance. Et accrochez-vous au rebord, même quand vous atterrissez de très haut. Ça peut être très fort. Et ça, tu vois, le truc qu'on n'arrivait pas à faire tout à l'heure, ça se trouve, ça peut nous aider à le passer, même si c'est un peu limite encore. Ou alors atterrissage actif. C'est pas mal ça. Réduisez les dégâts de chute. C'est moi ça, parce qu'elle vient de se suicider. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Mais est-ce que tu vas penser à appuyer sur C juste avant de toucher le sol? Pas du tout. Du coup, je vais prendre main ferme. Moi aussi, parce que je me dis que lui, il peut me rattraper quand même sur une bordure, tu vois, si je me loupe. Ouais. Moi, je l'ai pris, ça y est. Vas-y, moi aussi. Coucou. Ah, let's go. Allons terminer, du coup, cette histoire. Il va dire, ça s'est fini comment? Bah, en fait, il voulait te pendre, du coup, on l'a tué. Alors. Et c'était de l'autre zombie que t'as bu. Oui, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il y a? Le mari de Bébine est mort. Julian a été accusé de son meurtre en empoisonnant son eau. Aiden, je t'en prie, dis-leur que c'était pas moi. Si, c'était lui. C'est le mec qui tue tout le monde. Oh, j'avoue, qu'est-ce que j'y gagne? Vas-y, la négoce. Qu'est-ce que j'y gagne si je parle? La conscience tranquille. Non, mais la conscience tranquille. Je pensais pouvoir en attendre plus de la part d'un pèlerin. Aiden, je t'en prie, c'est pas le moment de négocier. Un homme. D'accord, bah c'est lui qui l'a tué. Julian est innocent. Un virulent est tombé dans la cuve de stockage du fournisseur. Le crétin a vendu de l'eau contaminée à Julian. C'est pas un meurtre. Tu es prêt à le jurer devant le conseil du bazar? Non. Ouais. Où se trouve ce fournisseur? Il doit subir un procès. Marco est mort. Je l'ai tué. Dans ce cas, mon travail est terminé. Très bien, je te pardonne. Cet enfoiré de Marco a eu ce qu'il méritait. Merci, Aiden. La moitié de ma farine est à toi. La farine mélangée à du plâtre? Hein? Non! Où as-tu entendu? Ouais, bon, quand? Mais, enfin, je veux dire... Garde ton plâtre. T'as qu'à me payer, c'est réglé. D'accord. Je vais tout raconter à Bébine. Comment ça, je vais tout raconter à Bébine? Bah, ils veulent lui expliquer ce qui s'est passé, quoi. Ah, ok. Il lui raconte l'histoire. Ok, quête annexe terminée. Oh, attends, c'est quoi? C'est un truc looté ou c'est récupéré? Ah, et un truc de combat. Oh. On a eu une nouvelle arme, mais... Ah oui, si, on l'a. Ah oui. Ah, ça, oui. Ça fait plaisir. Une arme niveau 2, pas dégueu. Je vais pas la mettre en prio, parce que je pense que je l'utiliserai plus tard. Limite à la place de ça. On a eu un nouveau point de compétence dans la section combat. Ouais, c'est ça. Et du coup, combat, soit on met un coup de pied aérien, soit on fait une esquive parfaite. Oh, j'esquive jamais, coup de pied aérien. Regardez un ami qui se trouve en dessous de vous et maintenez F pour l'exécuter.
Ah, j'ai regardé un ami. Je pensais qu'on pouvait faire des combos. Non. Attends, quoi? Lorsque vous êtes dans les airs, regardez un ennemi. Ok, et maintenez E. Tu sautes et t'appuies sur F, en fait, c'est tout. Enfin, E, pour toi. Moi, j'ai changé. Ouais. Sautes et E sur un ennemi, et puis voilà. Ah, okay. On a rejoigné Akon, maintenant. Ah, C'est la trame principale, du coup. Quand tu fais tab. Ok. Ouais. Bah écoute, pour la prochaine fois, je pense. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Et comme ça, prochaine fois, on attaque directement sur le retour de la trame principale. C'est ça, on attaque la trame principale et je pense qu'il va y avoir des trucs stylés. Là, c'était vraiment pour nous expliquer qu'il y a des quêtes annexes et tout à faire si on veut et tout ça, je pense. Mais ouais, ok. Bah écoute, prochaine fois, suite de l'histoire. Et puis voilà.